Et donc salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Brawl Chess, un jeu d'échecs mélangé à un univers un peu cartoon. J'avais hyper hâte de le tester, je vous en avais déjà parlé. Dispo sur le eShop, il n'est pas en boîte parce que c'est un jeu indé, évidemment. 9,99€, c'est pas très cher. Et il pèse 372 MO, ce qui est très peu également, il sort le 19 novembre. Et vous avez du multijoueur en local également, c'est toujours bon à préciser. Adapté aux enfants, entraînement cérébral et creativity boost, donc il y a pas mal de choses. On va choisir notre héros. Alors attendez, on va choisir, bah de toute façon, prenons lui et choisir votre adversaire. Et bah, on va prendre et pas mal de petites choses à récupérer. Tiens, le robot en un joueur et on va jouer pour moi. Allez, go! C'est trop chouette en vrai. En plus, j'adore, je suis fan de jeux d'échecs et donc, du coup, voir un petit peu ce Brawl Chess en mélange, tu vois, regarde, mélange cartoon échec, c'est terrible, c'est génial, je trouve ça génial, je trouve ça trop trop chouette. Du coup, on va faire ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends, je peux annuler, hein? Je peux annuler mon coup ou pas? Ok. Ok, ça c'est le fou. Ok. Ouais, joli. Joli. Oui, il y a des trucs capturés en bas. Je peux faire un rock. Je peux faire un rock. Hein? Ah, j'adore la petite animation. Excellent. Mais what? Bah, je le remets dans l'endroit, je pense. Attends, mais ça n'a aucun sens ce qu'il vient de faire. Ça n'a aucun sens. Attends, je vais faire ça. C'est comme ça. Ça n'a aucun sens. J'aime bien la gueule des personnages. Oui, bah alors là je peux abandonner. Là normalement, je me bouge. Mais on va terminer. Oui, j'ai fait de la merde. Je suis perturbé par les. Vraiment perturbé par par la gueule des trucs. Genre je les reconnais pas, c'est terrible. Bah, tu vas pas le faire pendant 15 ans. T'es drôle. Mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Mais tu perds pas ta dame comme ça. Enfin. Mais non en fait. Déjà que la mienne, je l'ai perdue de façon complètement con. Ah bah alors, je... Je comprends pas ce que je vais faire. Je trouve ça très stylé. J'ai hâte de voir si on a de l'XP ou quelque chose derrière... C'est possible qu'on ait de l'expérience. C'est possible. C'est fort possible. Hein?
tirer les sons de Worms. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. J'avoue. J'avoue qu'il y a de ça. Ah, c'est dommage. La difficulté est très facile, putain. Vas-y, on se le met en difficile. Style des pions. Ah oui, style des pions. Classique. Ok. Vas-y, on s'en fait. Vas-y, on s'en fait. Difficile. Bon. Difficile là, on a fait le mode facile avant, là on est en difficile. Hein. Ah, l'IA joue hyper rapidement en fait.
c'était ce que je voulais faire. Si, ok. Si je l'avais mis dans le coin, c'était échec et mat. Je l'aurais mis dans le coin, c'était échec et mat. Ok, on est good. Putain, et ouais, je l'ai vu après. Je l'ai vu après sa tour, putain. Quel débile, putain. Je l'ai vu après sa tour. J'ai joué trop vite. J'ai perdu. C'est bon, j'ai perdu. J'ai perdu, ça sert à rien. J'ai perdu. Quel idiot. Je peux rien faire. C'est un calvaire. Si je bouge là, je suis en échec et mat. Ah putain, je suis échec et mat là après. Pourquoi il m'a pas mis en échec tout de suite hein? Parce que là en fait il m'avait. Parce que là il bouge sa dame ici. Ah non, c'est mon cavalier qui est là. Mon cavalier, il faut pas que je le bouge. Là mes deux cavaliers ils se protègent. Merde. Et ouais. Ah oh, putain merde. Hop. Et ouais, bah c'est la merde. Putain, je l'avais pas vu en plus. Quel idiot, je fais que de la merde. Depuis que je me suis fait bouffer la reine, je me fais déglinguer. Je comprends même pas qu'il ne l'ait pas bouffé avec l'autre. C'est complètement idiot ce jeu. C'est complètement con. J'adore la petite tête du roi qui rentre. Putain, évidemment. Évidemment.
Ah, j'ai rentré une partie. Bon, bah écoutez, Brown Chess, alors, c'est 9,99 pour pas grand chose. Alors, moi je suis un grand fan d'échecs. Du coup, je suis très content d'avoir un jeu d'échecs sur Nintendo Switch. Mais 9,99. Quoi, après, c'est pas très cher non plus. Tu vas me dire, c'est 10€, c'est pas grand chose. Mais, en fait, pour ce que ça propose. En fait, vous avez un jeu d'échecs juste avec un design. Alors est-ce que ça vaut, parce que les jeux d'échecs sur Nintendo Switch c'est 2 ou 3€ en général, 3-4€ voire 5€. Est-ce que la DA du jeu avec les petites animations de combat, vaut 5€ de plus? Je suis pas persuadé. Après le jeu est très joli, le jeu est très bon, j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que ça vaut 10€? Ça, c'est pas à moi de le dire. Personnellement, je suis très content d'avoir reçu. Merci à l'éditeur de l'avoir envoyé. Mais ça, 10€. Bon, c'est un peu dommage parce que le jeu est vraiment chouette. Et je suis sûr qu'il se vendrait mieux à 4,99€. Et je me dis, les ventes 10€, ça sera en vente moins que s'il l'avait vendu à 4,99€. Je sais que ça demande du développement. En général, ce genre de jeu, ça demande du développement, évidemment. Mais en vrai, ouais. En vrai, bon, c'est pas difficile en fait, hein, ce que ça propose, je trouve. Du coup, c'est un peu dommage. Mais c'est sympa, hein, mais c'est un petit peu dommage, peut-être un petit peu cher.